Chers amis de Haïti Vivra, de la mission Ebenezer et du foyer de Renaissance, Unité Mobilisation, salut. Quel plaisir pour nous capables de trouver. Qui va nous faire? Ou regardez sûrement où est que méditation, ça va, c'est pas venir de pensée philosophique, c'est pas venir de. Pas même. Pas occupé du style, non pas faire comme si les deux mondes qui chita, un bon pied boit qu'à parler dans pas à bord du barrio, dans l'informel, à vous et l'idée là, tout le monde garder et sauter. Qui est occasion de réagir, de dire mais sans penser. C'est un style que nous choisissons pour nous capables justement de montrer que le royaume bon Dieu, parole bon Dieu. Le royaume n'a pas venu de manière compliquée. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards pour dire « Ah mon cher, belle parole, gros causé, etc. etc. » Les gens qui viennent porter là tout, il pas doué, conseiller de bagaille qui fait ou pas well, ou pas messager, mais c'est des corps là que ouais. Tenu que ouais, etc. Mais que, on va empêcher rien, mais nous vous l'ai dit, attention pour le présentateur là, nous n'avons pas voué votre nouvelle là, il n'est pas remplacé le maître là, qui voué là. Et puis, il n'y a pas remettre là encore, c'est dit même ouais. Ça fait me penser à une qui, dans l'Ancien Testament, nous avons royauté qui est un madame. Et pas de temps pour eux vraiment. Et ce n'est pas même permis pour vivre avec le monde, le dormir, lever, ou arrêter de quitter l'eau. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de la lit là. Et puis, famille ailleurs. Mais c'est une qui plus fréquente les mesdames, quand vous avez des messages tout le temps, fait va et vient. Et là, où tu as besoin, voyons. C'est Éliquan qui a le côté message là. Allez, pas de téléphone, n'est-ce pas? Pas de internet pour te voir ce message aller. Par WhatsApp. Pas de moyen pour te voir par SMS. Donc c'était déplacement. Et on va pas déplacer comme ça tout le champ aller. On m'a dit, vous voyez chercher maintenant, vous voyez chercher concubine. Donc nous venons là pour nous dire que quand les rivets ne sont pas parce que voir pas là, dans passer voir n'a aucun sens. C'est pour dire toujours qu'on est que faire fonction de messager, n'est pas plus que ça. Il est vrai que nous confident parce qu'il y a un pile bagaille ou à dire pour le côté aller, il tout connaît, mais il était simplement un messager. Le monde que vous voyez. Nous devons nous dire nous sommes un simple messager. Et Jésus, là, il était prend forme d'un messager. Il a envoyé. Bon Dieu te voyait, il vient pour ton message, voyait, il vient accomplir une mission. Et il était montré que c'est papa qui a pleuvé tout le temps au lieu de pleuvé tête. Comme ça, nous avons regardé aujourd'hui le prophète dans sa patrie et dans sa maison. Jésus parlait de ça dans Matthieu chapitre 13, verset 54 à 58. Il dit, c'est-à-dire, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude. Ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs? Ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Et Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. Au
occasion de chute, on va faire que sauter. La on fait que sauter, l'homme libre avec ça. Occasion de chute. Heureux le monde pas pour occasion de chute. Pour le monde, ça y est, Jésus tient occasion de chute. C'est-à-dire, il te perd du pied dans la question à faire royaume. Il te dit, ah, cher, il veut mettre en l'air, il va faire ça pour prendre ça. Comment il peut comprendre ça? Comment interpréter ça? Et ça, Jésus t'a dit, il a détourné de lui parce que finalement, puisque je ne pas comprendre rien du tout là-dedans, bon, je ne vais pas chercher son dé, je ne vais pas chercher rien. Alors Jésus considère ça comme mépris. Comme mépris. Le par exemple, indifférent, le ça pas de rien, ou je ne vais pas même penser à lui. Et ça va mériter pour ma balle attention parce que je ne vais tellement pas comprendre rien avec ça. Donc ça, c'est une occasion de chute. Mais qui ça te cause là ça? Noé, Jésus t'est foncé, il te balaye, il te paraît comme simple. Je suis un roseau. Mais il va paraître faible, il va bien nourri, bien mangé, pour te ressentir qu'il a brillé dans la physique. Et on dit non que monsieur t'est frère, un bon frère plante. Et c'est de yon, on a apparence dit, ou pas d'avoir tout bagaille ça dans l'aigle, Dieu même, dans la chair, ou pas d'avoir ça. Et puis, ensuite, sagesse et miracle la fait. Il faut qu'on a des sagesses, en plus, il faut qu'on comprenne sagesse, dans nos gros philosophies, de grandes pensées très élevées, très profondes, et puis on dit c'est ça que sagesse. Tandis que sagesse, c'est simplement balayer au gars de ouais. Mais à la porte, moi, ça ne fait pas de ouais. C'est quand on dit ça, oui, mais vous voulez jamais, c'est vrai. Tout bien, la petite là, c'est ça, oui. Si parole li ap di a li confuse pou li entouré d'ombre, ou pa capable voir, ou pa capable percevoir, on ben li pa sagesse. Sagesse li prend vérité al men à la portée ou et bien dou men ni men sa pa wè. Nan pa rapport yo, c'est ça Jésus te dit, il dit comme ça bon, prend bagay sous terre, bagay nan vie chaque jour. Pou parler non de yo, non di non pa comprendre. Et si t'a parlé non même de bagay céleste. Vous comprenez que si Jésus est venu pour faire étalage de connaissances, il y a des gens qui ont commencé à comprendre rien dans sa vie, même si l'homme est parlé. Est-ce que la parole de Dieu va dire non que autant et ciel-là élevé au-dessus de la terre, autant tout penser éloigné de nous, n'est pas capable de vivre à telle pensée, sans dépenser, n'est pas capable. Mais il était descendu en sagesse, il était descendu jusqu'à nous. Employé, on nous connaît, prend une illustration qui est capable de nous voir clair. C'est ça, il était fait. C'est ça, il est sagesse. Mon cap dit gros causé, ce n'est pas mon qui connaît. Mon qui connaît, c'est mon qui est capable de simplifier par la cour et aider le venir à la portée. Ça, c'est sagesse. Miracle, c'est la même chose. Miracle. Son bagage carrément, au gars de qu'on est impossible. Quoi? Pas qu'il parle en finance. On est là qui colle dans du feu, il n'est pas capable de brûler. Non, mais bon, c'est Adam Meshach, avec Nego tombé dans du feu, pas brûler. Non, mais on dit, mon cher, ça va naturel. Parce que le droit naturel, tu as plu au boulet. Tu as boulet. Mais ça va naturel. Les surnaturels. C'est surnaturel. Ça veut dire, mais c'est Dieu qui est intervenu dans l'humanité. Ça veut dire que c'est bon Dieu qu'a fait. C'est ce bon Dieu qu'a fait de son miracle. Parce que l'homme n'a pas qu'a fait. C'est son bail qu'a fait, qu'a dit, il est difficile. Ce qui arrive et travaille, il a fait difficile, mais il a dit impossible. Mais quand l'impossible devient réel, bon Dieu réalise pour vous, nous dit ça, son miracle. Mais ça ne prend rien là pour ne pas qu'il y ait un miracle, pour ne pas qu'il y ait son miracle, parce qu'on voit clairement. On a qui a marché sous de l'eau, et de l'eau profonde, au contraire, pour te révéler, pour noyer. Ou elle va noyer, ou dit, c'est surnaturel, ça va être un bail naturel. Monsieur Gombay, il y a une force dans lui qui fait, qui a marché au-dessus des eaux. Mais bon, finalement, on dit, c'est bon Dieu qui est intervenu. Donc ça, c'est un bail qui est relevé du domaine du surnaturel, du domaine
divin qui part pour nous-mêmes ici-bas. Donc c'est simple. Donc c'est ça que nous cherchons. Ouais. Au lieu de nous chercher, montrer tout ça nous connaît, tout ça beaucoup de nous sommes capables de dire, à lire, on sait de beaux bagages pour tout. Nous simplement venir avec ces bagages, bon Dieu dit, nous simplement pour nous dire, mais ça, bon Dieu dit, pour le faire, mais ça, qu'on fait qu'on est. Et c'est ça Jésus t'a fait. Elle fait comme ça, et puis regarde, il dit, mais côté, comment faire son débat ça comme ça? C'est lui qui a provisé nous son pile bagaille. Quand les bagailles, monsieur a fait, mon papa, les monde fait un débat ça. En bien, il a tout dit, mais là, c'est beau. Ça n'a pas capable, mais si elle est venue, parce que nous ne connaissons pas papa, c'est Joseph. Nous connaissons Marie, nous connaissons. Il a commencé à venir, mais frère, avec seul, il connaît petite Marie, à Joseph, dit, regarde, mon vin, dit, ça, c'est Messie qui vient. Mais côté occasion de chute là. Et Jésus dit, parce que nous connaissons maman, nous connaissons papa, nous d'après nous-mêmes, entre guillemets, qui fait, nous pas qu'à quoi. C'est parce que nous sommes mon lacaïn, c'est parce que nous avons grandi devant Dieu, qui fait, nous pas qu'à quoi. Si nous ne parlons pas de l'autre côté, nous dérivés, nous pas qu'on origine moins, en même temps, nous pas qu'à quoi. C'est comme ça le dit, le prophète, n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Mais quand ce dehors allons de l'autre côté, nous apprécions ça que nous avons dit, que nous avons une pièce d'autre monde encore, et nous commençons à dire, ah, ça n'est pas un monde. Ils sont l'autre bagarre. Nous cherchons qui s'est lié, qui s'est là d'avoir découvert que le divinité de Dieu, et c'est le Fils de Dieu, et c'est le Messie. Donc, voilà, chers amis, nous avons un pile de bagaille capable de dire qui peut arriver, qui peut passer en Haïti. Mais bon, nous venons garder nous dire, mon cher. On n'a pas de bon, Babdan et Nabaye moi-même. C'est moi. Ça, M. Kawea, qui fait la petite bagaille pas différent, va être bon. Mais il y a des bagailles qui étaient prophétisées, bon le, bon monsieur Béni. Et du monde, les États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ont pris un refuge en Haïti. Il y a cherché où est-ce qu'il est capable. Prends un petit mot sauté ça net, parce que ben, la parole est un peu nabo aux États-Unis. La cause de ça a dit, je ne suis pas haïtien, je t'ai avoué, je suis tout le monde qui vient dire ça. Mais c'est parce que pas bien aux États-Unis, quand tu vis au Sénégal, tu es. Haïti, je ne suis pas sorti aux États-Unis, blanc, tu es sorti aux États-Unis pour venir vivre en Haïti, après. Je connais depuis quelques jours là, il y a des gens qui ne pensent pas les mêmes gens encore. Les gars, il y a une guerre civile. Nous avons pour son droit de guerre civile. Regardez, ouais, qui qualité bagaille qui arrive dans le pays, ça, on peut qui armé jusqu'au dents. Ce n'est pas de deux petits bandits qui ont des armes, mais tout le monde, chaque grand américain a des armes, la carrière, gros armes, nos armes libres de gagner. Ils permettent de gagner des armes nucléaires. Mon cher, quelqu'un commence à réfléchir. La sécurité n'est pas l'allié, la paix n'est pas l'allié. Donc, n'importe empire, on leur dit qu'on a dit, ah, nous inébranlables. Ah, bon, nous n'avons rien, nous ces derniers empires sous terre, pas grand, l'autre cap cabinet après nous, que j'en puissant. Et puis nous gardons nos veuilles y aller. Nous mettons sur ça plusieurs fois. Nous disons déjà, ce n'est pas le premier empire, autant de pas dévélé. Là, dans la Bible, on parle de l'empire égyptien, y aller, songer avec Moïse. C'est pas. Il y a un pire empire babylonien. Là, il est sorti. Il y a un empire grec, romain. Il est sorti. Pour qu'il soit pensé, les États-Unis d'Amérique, en même tout, il n'y a pas qu'à passer. Il y a des choses l'homme qui a fait et puis il a péché. Il a fait bagaille contre bon Dieu. Il a arrogance. Il a battu l'estomac devant Dieu, le problème. Et puis, ou même en Haïti, ou devant mon Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Ou capable de monde qui compte sur les âmes, qui connaît le café, c'est ce café, c'est là. Ou capable de plus fort que eux. Donc, il y a deux encore ces pays-là, bon Dieu, bien sûr, sous lui. Tant pis, bah, bon Dieu, une chance. Pas regarder qui est-ce qui vient dire. Pas regarder la circonstance, vous dites, conjoncture, ça, pas après. Présager rien de bon pour venir pour payer ça. C'est bon Dieu qui dit, en nous quoi. Père, vous souviens.